Et bonjour les amis, c'est Maurice et Chantal de la Cantal. Bonjour Maurice. Pour les objets exceptionnels du quotidien ou des fois de l'ordinaire, de la vacance, on ne sait point plus. Alors, Mauricette, je crois qu'aujourd'hui, ou Chantal, excusez-moi, je suis un peu perdu, je change régulièrement de... vous avez compris les amus. Alors Chantal, cette semaine, qu'est-ce que c'est que cette exception de l'exceptionnel? Hein, est-ce vraiment exceptionnel? Cette semaine, je vais vous présenter le téléphone du futur. Waouh les amis! J'adore téléphoner, ça tombe bien. Le voici. Bon, mais on dirait une canette de bière, ma chère Chantal. Non, Maurice. Bah. Ceci, oui. Qu'on pourrait croire comme un bouchon. Oui, tout à fait, une capsule. Et bien, c'est avec ça qu'on écoute. Ah, donc ça serait le capsule écouteur. Vous le mettez dans l'oreille. D'accord, un peu comme une boucle d'oreille. Voilà, mais dans l'oreille. Ah, dans l'oreille, les amis, attention, ça peut piquer. Que vous devez tenir quand même. Ah, tenez bien. Et vous devez chiffler là. Ah. Le nom de la personne que vous voulez appeler. D'accord, donc il faut un peu siffler, c'est comme la siffler dans le pipeau. La ouais. Chasse au pipeau. Par exemple, on va appeler Jean-René la taupe. Hein? Appeler la taupe. Et par Bluetooth, ah. Ça envoie ici, dans l'oreille. Et on aura normalement la taupe qui va répondre. Donc double réception. Mais là, par exemple, il ne répond pas. Je suis tombé sur le répondeur. Malheureusement, les amis, ça capte pas. Et donc, pour parler à la personne qui a dans votre oreille, vous devez reparler dedans quand on a quelqu'un ou laisser un message. Voilà. C'est... Donc, un message, quel genre de... Un message papier inséré dans la bouteille? Comme au téléphone. Au téléphone, quand vous répondez, vous appelez, et bien là, vous parlez dedans. Mais c'est exceptionnel. Et vous pouvez même appeler quelqu'un qui n'a pas cet objet. Pour, on peut appeler quelqu'un qui n'a point de téléphone? Oui, parce que vous pouvez l'envoyer, vous pouvez l'appeler, il vous répondra avec son micro-ondes ou avec son frigidaire. Waouh, c'est exceptionnel, les amis. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui n'a pas d'oreille? Ah là, ça risque d'être compliqué, parce qu'il ne va pas vous entendre. Malheureusement, les amis, donc préférez un appel vers des gens qui auraient des oreilles, des oreillers. Voilà, c'est beaucoup. Mais point trop d'oreillons. En tout cas, j'adore les oreos. On a fait le tour, les amis. Donc, cet objet exceptionnel, ce téléphone du futur, donc qui fait un carton actuellement chez les SDF de la Porte Dorée. Donc, quel prix pour cet objet du futur? Ce prix-là, il est déjà unique, il n'est pas encore sorti. Ah, il n'est pas sorti. On l'a eu en exclusivité. Et on vous le vend aujourd'hui à 10 800 euros. 10 800 euros, les amis. C'est une affaire exceptionnelle, comme d'habitude. Vous, avec Maurice et Chantal, vous n'êtes jamais déçus. Donc, il est incassable aussi. Incassable, garantie 10 ans. Pièce, main d'œuvre. On peut le remplir d'un liquide? Vous pouvez même le remplir d'un liquide, vous pouvez le remplir de coca, de rangina. Donc, cette canette téléphone fait aussi gourde. Ou même de bière si vous le souhaitez. On peut mettre de la bière, mais attention, sans alcool. Sans alcool, évidemment. Évidemment, les amis. Hein, et même du sirop d'érable. Du sirop d'érable, pas coupé. Pas coupé, évidemment. Donc, si vous désirez cette canette capsule téléphone Bluetooth ou un litron de sirop d'érable, les amis, contactez Chantal. Sur son adresse email Bluetooth chantal@delacantal.com. Voilà. Hein, attention, puisqu'on est ouvert à l'international. Je rappelle à nos amis de Chicago, de New York, de Boston, de Sarcelles, vous pouvez nous contacter directement. On est ouvert au monde entier, je pense. Voilà. On peut le dire ou pas? On peut le dire. On peut le dire. Donc, voici pour cet objet exceptionnel, 10 800 euros. 10 800 euros. Voilà, les amis. Donc, comme d'habitude, vous envoyez vos chèques, vos CV, vos PEL, vos assurances bancaires. N'hésitez pas, hypothéquer. Voilà. Merci, Maurice. De rien, ma chère Chantal. À la semaine prochaine, les amis.